Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Isadora, je suis assistante Copernic. Et pour ma part, je suis Kevin Men, auditeur junior du coup chez Grand Portal. J'ai une formation en sciences sociales et un master en développement et aide humanitaire. J'ai fait un master de vie publique à Paris. Nous travaillons surtout sur la vérification des dépenses pour des projets liés à la solidarité internationale. Tout ce qui nous amène à travailler sur des projets avec des thématiques différentes, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du Sécurité, sécurité, environnement, tous exactement. les types de projets qui peuvent être liés à l'aide humanitaire ou au développement. Voilà, c'est ça. Dans le cadre de nos missions, parfois, nous devons aussi faire des audits sur place. Et dans mon cas en particulier, j'ai eu l'occasion de faire une mission sur place au Burundi pour Sidaction. On a pu faire la vérification des dépenses sur place, mais aussi des visites au centre pour mieux comprendre comment les projets étaient menés, quelles étaient les difficultés rencontrées par les ONG. Et ça nous a beaucoup aidé à mieux comprendre le projet en soi. Et pour ma part, j'ai fait également une mission au Sénégal. Donc du coup, on était parti une semaine pour faire la vérification des dépenses d'une ONG qui luttait contre le VIH également. Et le fait d'être sur place en soi nous a permis de beaucoup mieux comprendre les enjeux et les problématiques liées au terrain que si on était resté à Nuit par exemple. Et ça nous a apporté en tout cas un angle de vue qui était différent. Et c'était très enrichissant en tout cas pour ma part. Chez GT, on apprend surtout à travailler en équipe, à collaborer avec les collègues pour bien mener la mission. Je crois qu'au-delà des enjeux financiers qui sont importants dans le métier, c'est important aussi d'être intéressé à ce qui se passe dans le monde en général, en termes de géopolitique, en termes d'environnement aussi, parce que le projet apporte beaucoup sur ça en ce moment. C'est important aussi d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont en général intéressées à d'autres langues aussi. C'est hyper important parce que nous avons une partie du projet en français, mais de plus en plus, projet en anglais aussi, il y en a pas mal, En mais de plus en espagnol. plus en espagnol ou d'autres langues aussi. L'arabe aussi, il y a pas mal de projets dans cette langue. On est très solidaires, on est assez soudés, donc ce qui fait que chaque jour en soi c'est un plaisir pour chacun de venir au bureau, de venir à Neuilly